L'exposition est présentée au musée départemental de la Résistance Henri Cueil, à Neuvic. C'est une exposition qui s'appelle « Études préliminaires à Guernica » par Pablo Picasso, qui est visible gratuitement, qui s'expose gratuitement au public jusqu'au 30 novembre de cette année. C'est une sélection de ces reproductions, des reproductions de dessins en fait de Pablo Picasso, des études préliminaires qui ont servi à l'artiste en 1937 à construire, à imaginer et à peindre son grand tableau Guernica. Pablo Picasso a réalisé de très nombreuses études sur différentes thématiques, que ce soit la femme, l'enfant, les minotaures, la violence, la guerre, le bombardement. Ces reproductions de dessins par Picasso sont conservées au musée du président Jacques Chirac à Saran. C'est un coffret en fait, de lithographie qui a été offert en 1998 par Madame Lalumière dans le cadre de l'UNESCO au président Jacques Chirac. Donc c'est un cadeau présidentiel. Nous avons sélectionné plusieurs dizaines de ces reproductions de dessins pour montrer cette évolution. Chaque dessin est signé et daté aussi, et on comprend bien effectivement l'évolution de la pensée de l'artiste qui va construire ce tableau qui est immense, qui mesure plus de 4 mètres sur 7 mètres.